Bonjour à tous, voici le bulletin vidéo de ce jeudi 22 novembre en début de matinée. Pour les prochains jours, le temps s'annonce à nouveau bien perturbé, avant l'arrivée d'air nettement plus froid en milieu de semaine prochaine. Pour cet après-midi, une dégradation pluvieuse est attendue par la Bretagne, avec un renforcement du vent. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h du Finistère aux Côtes d'Armor et sur le Cotentin. Ailleurs, la journée sera agréable, avec toutefois de la grisaille persistante sur le quart nord-est. Pour ce qui est des températures maximales, elles resteront de saison, avec 6 à 9 degrés sur le nord-est, 9 à 11 degrés sur le nord et le centre du pays, 12 à 14 degrés sur le nord-ouest et 13 à 17 degrés sur le sud du pays. Pour demain vendredi, un front actif apportant des pluies modérées à assez fortes devrait onduler toute la journée de la Bretagne au Pas-de-Calais. Sur le reste du territoire, le temps sera généralement ensoleillé, avec un ciel parcouru par seulement quelques nuages d'altitude. Attention au vent, qui restera sensible le long des côtes de la Manche. Pour ce qui est des températures minimales, elles seront douces pour la saison, avec 3 à 7 degrés en général et jusqu'à 10 à 14 degrés en Méditerranée. Ce jeudi, nous fêtons les Céciles, le soleil se lèvera à 8h10 et se couchera à 17h05. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.aga-france.com ou appeler nos répondeurs au 0892 46 38 36. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook aga-adim. Passez tous une très agréable journée.